attentats vont se multiplier, ça c'est quelque chose qui est certain. En plus, on est dans un contexte qui est complètement anxiogène. On nous parle notamment d'un reconfinement qui va avoir lieu demain. Je pense que les Français sont profondément sous tension et si le pouvoir politique n'agit pas, la conséquence, ça va être une révolte populaire. Je veux dire, quand Gérard Collomb nous raconte que pendant des années, on a vécu les uns à côté des autres et que maintenant on risque d'être face à face, c'est-à-dire de s'affronter directement, je pense qu'il faut écouter cet homme qui a été au courant de tous les dossiers, au sein du ministère de l'Intérieur. Donc à un moment, il faut des lois d'exception. Tant pis si en effet on remet un peu en cause l'état de droit, mais nous sommes en guerre. C'est ça qu'il faut comprendre et il faut lutter par tous les moyens contre cela.